À Mbam, localité du département de la vallée du Ntem, région du Sud-Cameroun, le rôle du conseiller d'orientation est le plus souvent mal connu du grand public que de certains membres de la communauté éducative. Au lycée technique d'Mbam, les services de l'orientation existent depuis 2012. Entre le choix de l'élève et celui des parents, le rôle du conseiller d'orientation est primordial. Ils ont ce qu'ils appellent des choix fantaisistes et ce n'est pas l'aspiration du parent généralement. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de convoquer les deux parties, c'est-à-dire causer d'abord avec l'enfant et ensuite voir aussi les moyens de ses parents parce que les conseils d'orientation, nous fonctionnons avec des instruments comme les tests et les entretiens. Les motivations du choix des filières des élèves sont liées aux intérêts. J'ai choisi la menuiserie parce que j'aimais ce métier, parce qu'il passe en ville, je vois plein de gens qui fabriquent les bancs. Moi aussi, je veux. Donc, je voulais aussi être comme eux. Mais mon père voulait qu'il fasse de l'électronique. Mais il dit que non, c'est pas bien que le père fasse l'électronique et l'enfant doit aussi faire l'électronique. Le parent étant le principal financier de l'éducation de l'enfant, devrait tenir compte du choix de l'enfant avant toute décision. Je peux faire le choix avec les expériences que j'ai vécues, mais si mes choix ne consistent pas avec les désirs de mon fils, je vais essayer de le laisser faire son choix parce qu'après tout, c'est lui qui subit la formation. L'orientation scolaire tient compte de l'environnement de l'élève. Ici au lycée technique, nous nous retrouvons avec plus d'élèves en maçonnerie et en menuiserie que dans les filières comme mécanique, auto, électronique qui ont aussi des ouvertures. Ça tient compte, c'est l'environnement. Nous sommes dans une zone frontalière, les gens veulent beaucoup plus aller au Guinée et au Gabon. Notre rôle donc maintenant, c'est de montrer aux enfants l'importance des autres filières et les ouvertures. Pour combler l'attente de la communauté éducative de la vallée du Ntem, des nouvelles spécialités ont été ouvertes au lycée technique d'Mbam. Comme la spécialité de couture sur mesure, l'économie sociale et familiale, action et communication administrative et l'électronique au second cycle, également la mécanique au premier cycle. L'orientation scolaire étant nécessaire dans l'enseignement technique que dans l'enseignement général, la sensibilisation de la communauté éducative de la vallée du Ntem est une nécessité pour l'avenir des enfants.